Martino. Le préféré du règne animal. Bonjour, les petits lapins. Alors, vous connaissez certainement M. Didier Raoult, le docteur Didier Raoult. Il est professeur de médecine, il est infectiologue, microbiologiste. On a beaucoup parlé de lui, bien sûr, pendant la pandémie. Il a été dans une très grosse controverse avec l'hydroxychloroquine. Il vient de publier son autobiographie qui s'intitule Didier Raoult, autobiographie. Quoi que vous pensiez du personnage, je vous suggère vraiment la lecture de ce livre passionnant, un parcours hors norme pour une personne hors norme. Il est à Montréal, il est dans les studios de Cube Radio. Bonjour, monsieur Didier Raoult. Bonjour. Vous savez que j'ai un ami qui a perdu son emploi à la radio publique canadienne parce qu'il vous a interviewé. C'est dangereux de vous interviewer. Il a perdu son emploi, littéralement. Vous savez, c'est parce que vous connaissez sûrement ce conte pour enfants qu'on appelle les habits neufs de l'empereur ou les habits neufs du roi. Vous connaissez ça. Et donc, il y a un moment où il ne faut pas me demander, parce que ce que je dis, tout le monde peut le vérifier. Et la vraie question, c'est de dire aux gens, mais vous ne voyez pas que le roi est nu. C'est-à-dire, vous refusez de regarder une chose pour laquelle il vous suffit de taper 2 minutes sur votre ordinateur pour savoir que ce n'est pas vrai. Et donc, si vous laissez les gens dire ça, je vous donne un exemple, vous parlez de l'hydroxychloroquine. Il y a eu une année, l'année où c'était le plus prescrit, la chloroquine, hydroxychloroquine, il y a eu 6 milliards de traitements. D'accord? Parce que ça faisait tout. Ça faisait toutes les maladies rhumatismales, ça faisait le paludisme. Et donc, il y a une bande de zozos dont on ne sait pas d'où ils viennent. C'est cocasse, hein, qui publie dans le Lancet, on se demande qui a reviewé ça, que ça tue maintenant 10% des gens. Et tout le monde se met à y croire, le ministre de la Santé, l'OMS. Et donc, la vraie question, c'est de dire, non mais, vous voulez pas, là, c'est pas une controverse, c'est, vous avez qu'à regarder, vous tapez, vous regardez, comment vous pouvez croire qu'un type, un truc qui est prescrit depuis 70 ans, sans ordonnance, partout dans le monde, brutalement, est devenu un truc qui tuait. Vous êtes fou. Quand l'ivermectine a été, moi j'ai pas testé beaucoup l'ivermectine, hein, mais l'ivermectine a été mise sur une alternative thérapeutique, la FDA a dit, ne prenez surtout pas ça, c'est un médicament pour les vaches et les chevaux. Mais c'est, vous savez, au Sénégal, que je connais bien, on donne ça à toute la population, une fois par an, à tout, 100% de la population. Et la FDA dit, c'est pour... Donc, la vraie question, c'est pas du tout une question de qui a raison, qui a pas raison. La vraie question, c'est, est-ce que vous acceptez de regarder par vous-même ce qu'est la réalité ou pas? Mais bon, vous abordez tout de suite la question de l'hydroxychloroquine. C'est qu'il y a des gens qui disent, il y a peut-être des gens qui ont écouté le docteur Raoult et qui ont dit, moi, je ne prendrai pas le vaccin, je veux ça comme traitement parce qu'on me dit que c'est un très bon traitement. Ils n'ont pas pris le vaccin. Ils l'ont attrapé, puis il y en a peut-être qui sont décédés. Donc, on dit peut-être que vous avez du sang sur les mains, docteur Raoult. Oui, mais d'abord, là aussi, il s'agissait... mais encore une fois, tout ça, c'est de la propagande. Moi, ce qui m'intéresse le plus à ce stade maintenant, hein, c'est le... Ce qui est probablement, je m'excuse de dire ça, ce qui est probablement une des phases du déclin de la médecine occidentale. C'est-à-dire que tout ce qui était, moi, ce que j'ai connu comme étant les barrières et les notions de qualité, s'est effondré comme un château de cartes. C'est-à-dire que là, je parlais du Lancet. Moi, j'étais le seul consultant éditorial du Lancet français. Donc, je connais bien le Lancet. J'ai publié beaucoup d'articles dans le Lancet. Le New England, un journal en qui j'avais une grande confiance, qui ont publié dans cette période-là, des choses qui sont purement et simplement de la propagande. Nature aussi. Ce qui s'est passé au niveau de l'OMS, qui était... Moi, j'ai eu un centre qui était un centre collaborateur OMS pendant une quinzaine d'années. Ce qui s'est passé avec l'hydroxychloroquine, qui est un Africain qui valide, parce qu'il est éthiopien quand même, le directeur de l'OMS, connaît très bien la chloroquine, qui valide que c'était un truc qui tuait 10% des gens, c'est inouï. Il a maintenant le dernier prix Nobel qui ressemble à une publicité de Pfizer, qui dit, écoutez bien, je n'ai pas d'opinion. Je dis, dans le truc, on dit, ça protège 95% des gens. Deuxièmement, grâce à ça, on a fait les vaccins plus rapide et qui marche mieux. Tout ça n'est pas vrai. C'est-à-dire que les Chinois ont fait Sinovac en faisant du vaccin traditionnel comme on fait pour la grippe, aussi rapidement, qui a le même taux de protection, qui est protection approximative. Donc tout ça, il suffit de regarder. Mais j'avais vu il y a quelque temps dans le New Yorker un dessin humoristique qui était très drôle, où c'était des milliers de soldats qui marchaient au pas, et il y en avait un qui n'avait pas le même pas que les autres, et il disait « tout le monde se trompe ».
Tous les autres se trompent. Je suis le seul à avoir le bon pas. On dirait que c'est ce que vous dites, là. Nature se trompe, Lancet se trompe, tous ceux, tous les gens de la communauté médicale, ils sont tous dans le champ. Il y en a un qui a raison, c'est Didier Raoult. Non, mais vous voyez, c'est pour ça que, d'ailleurs, c'est une des raisons pour laquelle je m'excuse, hein, souvent je ne discute pas avec les journalistes, parce que vous ramenez la question. Moi, je vous demande de voir. Vous avez des... quelqu'un de célèbre qui a dit ils ont des yeux, ils ne savent pas regarder. C'est pas moi qui l'ai dit. Il est arrivé bien pire qu'à moi. Donc, c'est pas ce que je demande. Moi, je demande à personne de me croire. Moi, j'ai fait mes travaux. Vous savez, pour m'empêcher de publier ce qu'on a fait pendant 2 ans et demi, pour démontrer qu'il n'y avait aucun doute ce que nous faisions, pour la première fois de ma vie, et je crois pour la première fois de l'histoire de la médecine, on a fait venir un huissier dans l'hôpital pour vérifier que chacune des données que nous avions étaient des données indépendantes de nous et autonomes. Pour pouvoir faire cette donnée-là, le ministre nous a menacés de poursuite, hein, ils ont porté plainte contre nous et tout, c'était inouï ce qui a été déclenché, parce que pour ce travail, mais peu importe, ce travail est dans une banque de données, tout le monde peut l'analyser. Laissez-moi finir. Ça veut dire, il y a une question, moi j'ai horreur des débats, je suis pour, je suis contre. Moi, tout ce que je veux faire, c'est dire, voilà, écoutez, très bien, si le vaccin marche, donc ce vaccin qui marche si bien, il ne doit plus y avoir de Covid. Vous avez vu qu'il y avait moins de Covid? Non, mais c'est risible. Mais les gens, ce qu'ils vont dire, c'est que... Ça m'intéresse pas de savoir ce que les gens vont dire. Moi, je sais qu'on nous a promis, les pays qui ont le plus appliqué ça, on l'a su très tôt, les pays qui ont le plus appliqué ça, c'était Israël et l'Angleterre. On a vu, à la fin de la campagne, les pays qui avaient fait que l'épidémie repartait, qui avaient toujours autant de cas, autant de morts. Maintenant, on a cassé... À chaque fois, le truc, c'est qu'on casse le thermomètre. Avant, il y avait un très bon thermomètre, c'était le John Hopkins, dans lequel il y avait... Mais il existe, sauf qu'il est cassé depuis avril. Mais vous pouvez regarder, il y a dessus les vaccins. Je demande, moi, je vous ai qu'à regarder. C'est le métier de regarder. Mais... Vous regardez le nombre de vaccins, le nombre de cas, le nombre de morts. Et vous regarderez des pays comme la Corée du Sud, les pays qui avaient joué zéro Covid. Donc, ils ont dit, écoutez, on empêche le Covid de rentrer, on vaccine, et puis après on ouvre. Ben, le Covid est apparu juste à la fin de la campagne de vaccination. C'est pas vrai. Ça marche pas. Docteur Raoult, en toute transparence, je vais vous dire, je ne suis pas scientifique, je ne suis même pas un journaliste scientifique, j'ai pas lu vos études parce que je n'y comprendrais rien. Monsieur. Donc, tout ce que je fais, moi, j'ai lu. Des reportages, écouter des podcasts sur vous. Moi, ce que je peux vous transmettre aux auditeurs, c'est, bon, certaines personnes ont dit, par exemple, que vos études, il y a des problèmes de méthodologie vos études. Non, mais globalement, ce que les gens disent, je m'en fiche. Non, mais ce ne sont pas des spécialistes, c'est des gens, écoutez, moi, si vous savez toutes les horreurs que j'ai entendu, les gens qui étaient censés des spécialistes de virologie dire que le virus ne mutait pas. J'étais le premier à dire qu'il y avait des variants. On parle d'études qui ont été menées sans autorisation légale de la part de comités d'éthique. L'éthique, c'est le nouveau prétexte pour... Après, on dit... Alors, ça marche peut-être, mais vous n'ayez pas le droit de montrer que ça marchait, qui est un truc de fou. Donc, globalement, moi, je ne demande pas qu'on me croit, je m'en fous. Je vous dis quelques trucs très simples. Après... Vous me croyez ou vous ne me croyez pas, vous savez, ça me fait ni chaud ni froid, ça m'indiffère. Simplement, vous arrivez, ça m'intéresse moi sur le plan intellectuel, je suis un intellectuel, je m'excuse, et donc ça m'intéresse sur le plan intellectuel, c'est comment on a réussi à convaincre que un médicament qui a été prescrit probablement 100 milliards de fois est devenu juste à l'occasion du Covid un truc qui tuait 10% des gens. Comment c'est possible? Deuxièmement, comment on peut croire, c'est pas compliqué, comment on peut croire que là aussi toutes les données existent, le Sinovac qui est le vaccin traditionnel donne des résultats qui ne sont pas spectaculaires mais qui sont exactement du même nature que ceux du Pfizer. Comment on peut dire, écoutez, heureusement, le vaccin RNA ont sauvé l'humanité? Non mais tout ça, il suffit de regarder. Vous n'avez pas besoin de me croire, je m'en fous, quoi, vous me croyez ou pas. On vous a mis dans le même sac que les anti-vax, vous êtes très clair dans votre livre, vous dites, ben non, voyons donc, je crois au vaccin, bien sûr qu'il y a des vaccins qui ont été très importants et tout ça, on vous a traité de complotiste et tout ça. Moi j'ai lu, est-ce que c'est vrai que vous avez participé à un séminaire qui regroupait des complotistes, des propagateurs de fake news, des militants anti-vaccins? Est-ce que vous avez frayé avec ces gens-là? Je fraye avec personne parce que je n'ai pas de vie sociale.
C'est ce que j'ai expliqué, d'ailleurs, si vous avez lu mon livre, oui. Vous l'avez bien compris, j'ai pas de vie sociale. Donc, et de toute manière, si vous voulez, peu importe le monde dans lequel vous vivez, dans lequel vous êtes bien obligé d'adapter les règles, d'adopter les règles est un monde qui aime bien séparer les bons et les méchants, les bons étant ceux qui disent ce que pour vous montrer jusqu'à quel point je suis à droite d'ailleurs, mais moi, mais les gens qui m'inspirent sur la période actuelle, c'est Baudrillard et Debord et Noam Chomsky. Vous voyez, c'est pas des gens d'extrême droite, hein. Donc vous devriez les lire d'ailleurs, parce que ce qu'on vit là maintenant, c'était écrit dans les commentaires sur la Société du spectacle de 88. C'est, on est en plein dedans. Donc en réalité, ce qui est même très 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 frappant, je suis très étonné, non, rien, plus rien m'étonne, mais je suis très étonné que dans une situation dans laquelle ce qu'on voit, c'est jusqu'à quel point l'industrie pharmaceutique s'est gavée dans cette histoire. C'est-à-dire que le chiffre d'affaires de Pfizer en 2021, c'est 81 milliards, dont 25 milliards de bénéfices. Donc c'est frappant de voir qu'est-ce qu'on peut... Comment on peut lutter contre une puissance de financement de cette nature? Dans votre livre, justement, vous êtes très critique envers l'industrie pharmaceutique en disant, ben, c'est dans leur intérêt monétaire. Ils ont l'intérêt monétaire de vendre des médicaments. On le voit avec la crise d'opioïdes. On le voit avec la crise d'opioïdes un peu partout à travers le monde où on pousse vraiment l'utilisation d'opioïdes pour s'en mettre plein les poches. Vous le savez, c'est aussi parce que le roi est nu. Vous voulez pas le savoir. Il a fallu, moi, j'écrivais il y a, je sais pas, plusieurs années. Écoutez, on est en train de voir, c'est très intéressant d'ailleurs, parce que les gens qui ne croient pas ça sont en train de se suicider. Le plus spectaculaire de tout, c'est les États-Unis. C'est très intéressant ce qui se passe aux États-Unis. Aux États-Unis, actuellement, l'espérance de vie est de 76 ans. C'est inférieur à tous les ennemis qu'ils ont eus depuis 50 ans. C'est moins que Cuba, c'est moins que le Vietnam, c'est moins que la Chine, c'est moins que le Maghreb. D'accord? Ça, c'est les États-Unis. Et c'est eux qui ont la plus grande industrie pharmaceutique au monde. Et c'est eux qui ont la plus grande dépense par tête d'habitant dans la santé. Comment vous expliquez ça? Ils se suicident à coup d'opioïdes. C'est l'oxycontin. Vous la connaissez, Donc vous croyez que c'est différent? C'était pareil, McKinsey qui les conseillait. Vous croyez que c'est différent? Vous croyez que c'est différent? Vous savez combien de fois Pfizer a été sanctionné aux États-Unis, mais avec des amendes, des millions et des millions de dollars pour corruption, pour... Mais et vous croyez qu'ils ont changé? FDA, les autorités qui devraient régir la vente de médicaments, ils ont approuvé l'oxycontin. Ils l'ont approuvé alors que c'était... mortel, c'était épouvantable. Oui, c'est la drogue. Donc, est-ce que, et on a vu que dans les États où il y a eu le plus de problèmes suite à la vente d'oxycotin, lorsqu'il est arrivé le vaccin de la COVID, ces gens-là ont dit, la FDA nous avait dit que l'oxycotin, c'était, il y avait aucun problème, que c'était inoffensif, on l'a pris, il y a eu plein de problèmes, donc votre vaccin, vous pouvez vous le foutre dans le cul. C'est ce qu'ils ont dit dans ces états-là. Et vous voyez, vous, un rapport, justement, des gens qui disent, c'est pas parce que les autorités disent que ce médicament-là est inoffensif qu'il l'est nécessairement. C'est un problème, parce que, si vous voulez, en pratique, c'est un vrai problème, parce que, si vous voulez, on perd beaucoup, on le voit d'ailleurs avec la presse. Je ne sais pas à quel point de détresse vous en êtes dans ce pays sur la presse, mais enfin en France, la crédibilité des journalistes et celle des politiques est probablement en dessous de 10%. Donc il se pose quand même un problème, c'est qu'à force de raconter des mensonges, Nietzsche disait « Je ne t'en veux pas parce que tu m'as menti, je t'en veux parce que je ne pourrai plus jamais te croire ». C'est ça que vous me dites. Non, mais il y a des journalistes qui font quand même bien leur travail, là, qui font des reportages qui sont basés sur des faits. Je vous dis une chose, c'est que la crédibilité dans cette crise, déjà la crédibilité n'était pas très bonne. Dans cette crise, on a vu un effondrement de la crédibilité, parce que non, la majorité des médias traditionnels ont épanoui d'une manière très très spectaculaire les médias parallèles ou YouTube ou maintenant Twitter ou maintenant qui donnent des informations qui sont contradictoires et on a besoin d'informations. Mais vous dites, tous ceux qui vous ont critiqué sont tous dans le champ, ont tous mal fait leur travail, parce que je lisais votre livre, il est très bon, mais vous avez quand même une haute estime de vous-même, il faut le dire, là. C'est la seule chose qui m'intéresse. vous parlez de votre quotient intellectuel de 180, vous dites que les gens sont totalement impressionnés par le nombre d'études spécialisées que vous avez fait publier à travers le monde, que bon, vous avez une haute estime de vous-même. Et une basse estime des gens qui vous critiquent.
Non, mais c'est pas la question. Si vous voulez vous ramener, vous pouvez pas changer. D'ailleurs, votre métier, c'est ça. Il se trouve que je connais très bien les journalistes parce que dans le périmètre de l'université que j'ai dirigée pendant 5 ans, il y avait une école de journalisme que j'ai dû restructurer parce qu'elle partait, hein, qui est l'école de journalisme de Marseille. Donc je sais bien que votre approche du monde et la mienne n'ont rien à voir. C'est pas les mêmes. Nous ne sommes pas les mêmes humains. Nous sommes des humains de nature différente. Mais on cherche la vérité, vous et moi. On cherche ce qui fonctionne, Je ne sais pas, vous cherchez à faire de l'audimat, parce que si vous ne faites pas d'audimat, vous ne bouffez pas. Donc, c'est un vrai problème. C'est pas la vérité. Donc, tous les journalistes sont des menteurs, et tout ce qu'on veut, c'est d'être écouté, non, et de faire de l'audimat. Il n'y a aucun journaliste qui est sérieux. Bien sûr que non. Il y a quelques journalistes qui sont sérieux. Ça, c'est du complotisme. Ça, c'est vraiment, j'entends Trump parler. C'est pas la question. La question... Moi, encore une fois, je parle d'expérience. Il y a beaucoup de choses que je ne savais pas. Puis je me suis retrouvé avec les gens qui étaient les directeurs des médias locaux et je leur ai posé la question. Et les gens m'ont dit, mais vous savez, nous, on doit bouffer. C'est-à-dire que si on n'a pas d'audience, si on ne nous achète pas le journaux, on nous fout dehors. C'est ce qui se passe, d'ailleurs. Si les journaux ne se vendent plus, les gens les foutent dehors, hein. Parce qu'ils n'ont plus de quoi se nourrir. Donc, nous, les autres, ils sont entièrement... Ça me fait rire. Ça, c'est comme les politiciens. Si les journalistes avaient dit « Nous sommes avec Didier Raoult », là, vous auriez dit « Regardez comment ils sont sérieux. » Mais parce qu'ils vous critiquent, ils ne sont pas sérieux. Ça dépend s'ils sont avec vous ou contre vous. Mais je m'en fiche. Ça m'indiffère absolument. Mais je vais vous dire, je ne vais pas vous convaincre et vous n'allez pas me convaincre. Il se trouve que c'est une des choses qui m'a émerveillé quand j'étais jeune aux États-Unis et qui a disparu. Qui était dans... Pour équilibrer la démocratie et le capitalisme, il y avait deux piliers phénoménaux aux États-Unis qui étaient la loi anti-monopole et les règles sur le conflit d'intérêts. Ça, c'était deux piliers considérables qui ont disparu. Le monopole, il y a un monopole de la transmission de l'information, 90%, et il n'y a plus la moindre notion de conflit d'intérêts. Vous savez, Bill Gates distribue 167 millions d'euros à la presse. 3 millions au monde. Vous croyez qu'on est libre avec ça? C'est celui qui vous paye, qui vous dit ce que vous devez faire. Vous savez combien sont distribués? Il n'y a personne qui me dit quoi faire et quoi dire. Si vous me connaissiez, j'ai assez mon franc-parler. Je vais vous dire, l'industrie pharmaceutique en France, elle doit dépenser 3 milliards par an sur la presse. Ils le donnent pas simplement. C'est pas la philanthropie qu'ils font. Enfin, quand même, vous croyez que l'industrie pharmaceutique fait de la philanthropie, vous? Alors, vous êtes encore plus naïf que ce que je peux imaginer. Mais monsieur Raoult, moi, je ne vous paye pas, d'ailleurs. Je suis ambivalent face à vous en lisant ce livre-là, puis je trouve que c'est un livre très intéressant. D'ailleurs, vous vouliez être marin lorsque vous étiez jeune. Je vous vois mal à la marine marchande, je vous vois plus pirate. Pirate, j'aurais été parfait. Chez les corsaires, dans la famille. Oui. Mais monsieur Raoult, d'un côté, moi, j'aime beaucoup les gens qui ne veulent pas être dans le troupeau, qui ne veulent pas être dans le banc de poissons, les gens qui pensent à contre-courant, les gens qui mettent leur tête sur le bio, ce sont des gens qui m'impressionnent. De l'autre côté, je me dis, mais vous n'êtes pas un artiste, vous n'êtes pas un chroniqueur d'opinion comme je suis, vous êtes un scientifique. Mais à un moment donné, un scientifique, il y a les faits, 2 plus 2 égale 4, 2 plus 2 n'égale pas 5, c'est égal 4. Donc, soit vos études sont sérieuses et puis soit ils ne le sont pas, mais ce n'est pas une question d'opinion et de... Bien sûr. Et s'il y a des autorités qui ont dit il y a des problèmes avec ces études-là, est-ce que je suis naïf de croire ces autorités-là? Non, mais parce que, encore une fois, vous ne pouvez pas... Vous pouvez difficilement imaginer le biais. D'abord, il y a des biais de l'histoire, vous savez, il faut être un peu patient. Si vous voulez vraiment savoir, les études qui ont été analysées de manière neutre, il y a un site qui s'appelle early19.com. Je vous conseille de le regarder. Ils ont analysé 2500 études comparatives. Et dedans, ils ont regardé molécule par molécule, de manière tout à fait neutre. Qu'est-ce qui était censé avoir une activité, qu'est-ce qui n'était pas censé avoir une activité. Ensuite, la méthodologie n'est qu'un outil qui permet de déterminer les conditions dans lesquelles celle que nous avons actuellement au point a été mise en place par l'industrie pharmaceutique. Point final. Donc, ça veut dire que tout ce qu'on a, je vais vous dire, en maladie infectieuse, par exemple, 70% des traitements qui sont recommandés actuellement n'ont jamais fait l'objet d'une étude méthodologique qui est recommandée maintenant.
Mais vous n'allez pas revenir sur le traitement de la pneumonie à pneumocoque par les antibiotiques, quand même. Il n'y a jamais eu d'études en double aveugle, c'est couillonnade. Enfin, la plupart des maladies infectieuses, vous devez être aiguë en particulier, c'est très simple. Pour le sida, on a fait des quantités de choses, vous savez, c'est très simple. Le sida, vous mesurez la charge virale. Quand ça marche, il n'y a plus de virus. Quand ça ne marche pas, le virus revient. Donc tout ce qui a été monté autour de ces études, de ces essais thérapeutiques, a été monté par l'industrie pharmaceutique avec des gens qui sont des méthodologistes et pour quelque chose dont il suffit d'avoir 5 personnes et les traiter pour savoir si oui ou non ça marche dans le traitement du sida. Vous n'avez pas besoin d'en faire 10 000, mais vous ne pouvez pas les vendre au cours des essais si vous n'en faites pas 10 000, voyez. Le regard que vous avez sur votre photo, sur la page couverture de votre livre, c'est un regard très particulier, un regard de défiance. C'est quoi? C'est... Je ne sais pas, l'interprétation sur des choses sur lesquelles je ne pose pas de questions, je m'en fous. Mais vous êtes en guerre contre les autorités scientifiques? Non, c'est eux qui me font la guerre. Puis écoutez, vous savez, le temps, c'est pas votre métier, donc moi, c'est mon métier. Donc je fais beaucoup d'épistémologie, qui est l'histoire des sciences. L'histoire des sciences, c'est toujours comme ça. Faut pas vous faire d'illusions. Vous croyez que la science se fait d'une manière douce, mais c'est une activité humaine comme les autres. Et en particulier, si vous remettez en cause, si vous remettez pratiquement, en France et probablement au Québec aussi, 90% de la recherche médicale qui est faite actuellement est une recherche qui est faite avec l'industrie pharmaceutique. Donc si vous commencez à dire, et des médicaments produits par l'industrie pharmaceutique pendant le 21e siècle qui changent l'espérance de vie, il n'y a pas grand-chose. Ça veut dire qu'il y a une discordance incroyable. Tout le financement, il y a très très peu de financement de la recherche. Et non seulement il y a très peu de financement de la recherche, mais il est extrêmement difficile de faire de la recherche sur des médicaments qui ne rapportent pas d'argent. On ne peut plus en faire. Donc c'est les Chinois qui la feront, mais peu importe, c'est eux qui la feront. Et M. Raoult, j'ai regardé de nombreux documentaires sur le scandale de l'oxycotin, qui était un médicament qu'on présentait comme un médicament miracle et finalement qui a causé des suicides, des morts par surdose encore aujourd'hui. Et j'avoue que ça ébranle notre confiance envers les autorités qui ont approuvé ce médicament-là. Et là, je ne suis pas complotiste. Il y a des questions légitimes à se poser. Mais vous allez regarder, pour quelque chose qui est encore plus proche, mais qui a fait moins de bruit, regardez donc l'histoire du Tamiflu. Parce que ça ressemble beaucoup au Remdesivir, c'est la même histoire. Donc le Tamiflu, c'est le traitement de la grippe, c'est miraculeux. On va voir le traitement de la grippe. Et donc, il commence à vendre ça, il commence à faire des recommandations. La FDA, il approuve, l'Europe l'approuve, l'OMS le classe comme un des médicaments essentiels. Et puis, après quelques années, quand ils ont déjà... Moi, je à l'époque, j'étais rédacteur en chef du plus gros journal de maladies infectieuses en Europe. Donc, je fais faire un débat, oui, non, et quelles sont les évidences que ça marche, que ça marche pas. Moi, je dis, écoutez, j'ai jamais vu publier une évidence que ça marche qui soit reproductible. Et puis, il y a des gens qui écrivent, parce que moi, je laisse les gens s'exprimer en disant, mais non, on a des données. Finalement, les gens, à l'époque... Parce qu'il y a un journal qui malheureusement prend toujours le temps avant d'en faire les analyses, mais qui finit par faire les analyses réalistes, y compris sur l'oxycontin, et qui l'a fait sur le Tamiflu, c'est British Medical Journal. Et British Medical Journal, finalement, poursuit Gilead pour savoir qui présente les données. Tout ce qu'il y avait, c'est les abstracts, il n'y avait pas les données précises, d'accord? Et quand il présente les données, il montre qu'en réalité, on n'a jamais démontré que ça marchait. L'OMS avait inscrit dans les médicaments essentiels, du jour où le médicament est devenu générique, c'est-à-dire qu'il a perdu sa licence, c'est sorti des médicaments essentiels de l'OMS. Moi, je suis pas paranoïaque, mais enfin, je suis observateur quand même, vous voyez. Donc, lisez-la, l'histoire du Tamiflu. C'est une histoire qui est aussi jolie que celle de l'oxycontin, sauf que ça a moins tué. C'est déjà ça. Ça tuait pas les gens. C'est une bonne nouvelle, si vous voulez. Mais ils ont fini la manière dont ils en sont sortis, c'est de dire, écoutez, comme il faut le doser tôt pour que ça marche et qu'on ne teste pas les gens tôt pour la grippe, en réalité, on les guérissait sans le savoir. Donc, il faut oser, quand même. Donc, si vous voulez, le nombre de fois... Moi, je suis un vieil homme. Le nombre de fois où j'ai vu qu'on se faisait rouler dans la farine en nous racontant des histoires pour vendre des médicaments, c'est considérable. Est-ce que vous aviez des raisons pécuniaires de pousser
l'hydroxychloroquine. Ça rapporte rien à personne. C'est tout le problème. Ça rapporte rien à personne. Moi, j'ai pas de. Le seul conflit d'intérêt que j'ai, c'est que je travaille depuis 6 ans sur un microscope électronique à balayage avec Hitachi pour essayer de remplacer un jour tous les microscopes de laboratoire par ce microscope-là. Et je crois que ça va arriver. Ça sera mon dernier travail. Donc, mais ça n'a rien à voir avec ça. Hein. Vous êtes au Québec, entre autres, bon, pour parler de votre livre, est-ce que ça a été difficile de convaincre des médias de vous recevoir? J'ai jamais cherché. Est-ce qu'on dit non, il est infréquentable, c'est un complotiste, on veut rien savoir, on veut pas lui donner la parole? Je vais vous dire une chose. D'abord, j'ai jamais cherché, et je ne cherche toujours pas, je m'en fiche un peu, vous l'entendez bien d'ailleurs, je m'en fiche un peu des médias, pour dire la vérité. Quand ça m'intéressait, je pense que de toute manière, je n'ai pas besoin qu'un journaliste traduise ce que je dis. Je suis un enseignant depuis très longtemps, donc j'ai ouvert ma propre chaîne. J'ai fait 30 émissions sur cette chaîne qui ont fait plus d'un million d'auditeurs. Ma chaîne a fait 180 millions d'audience. Donc, mais ça veut rien dire. Hein. Il y a des films très mauvais qui. Je suis bien d'accord, mais qui vendent des millions de billets. Non, mais je suis bien d'accord. Mais donc, si vous voulez, j'ai pas besoin. Ça ne dit rien sur la crédibilité de ce que vous dites. Non, mais j'ai pas besoin. J'ai pas plus besoin du Monde ou de BFM TV, si vous voulez, que ça. Je m'en fiche complètement. Donc, je ne suis pas demandeur d'être reçu par la presse. Pas du tout. Après, j'essaie d'avoir des rapports qui soient raisonnables avec mon éditeur qui m'édite et qui me dit quand même faut faire un peu la promotion de votre livre. Est-ce que vous accepterez de faire 2 ou 3 rencontres pour le livre? C'est le seul moment où je vois la presse. Sinon, je ne le livre pas. C'est pas mon problème, la notoriété, si vous voulez. Donc, votre livre se vend ou pas au Québec, ça vous passe 25 000 pieds par-dessus la tête, là? Oh, ça m'ennuierait pour moi. Je vis pas de ça, mais ça m'ennuierait pour votre éditeur. Pour mon éditeur, oui, ça serait pas correct, quoi. Et là, j'essaie de rester correct, vous savez, dans mes relations interpersonnelles. Et c'est quoi maintenant votre vie? Est-ce que vous êtes persona non grata, mis au banc totalement de la communauté scientifique? Ne croyez pas qu'il existe une communauté scientifique, parce qu'il n'y a pas plus de communauté scientifique que de communauté journalistique. Donc, c'est ce que vous me disiez. On ne peut pas mettre tout le monde dans le même sac. Donc, c'est comme ça. Il se passe quelque chose qui m'intéresse beaucoup dans la science, énormément. Parce que, encore une fois, c'est tout. Moi, je crois que c'est tout un. Le monde est en train de se bouleverser, de changer à une vitesse absolument considérable, avec une bascule qu'on voit vers l'Est qui est du monde par rapport à nous, hein, qui est considérable. Et donc, il se génère une quantité de journaux chinois, indiens, en Suisse, en Corée, qui sont en train de devenir les rivaux de nos journaux, qui ont une politique qui est. Vous savez, moi, encore une fois, ça m'est égal qu'on me prenne pour un complotiste ou pas, mais vous savez, le New England Journal of Medicine, qui est un journal que moi je révérais, vous savez, j'ai été invité une fois à faire, vous savez, il faisait des cas à diagnostiquer au Massachusetts General Hospital, qui publiait, après on vous interrogeait, voilà, quel est votre diagnostic, etc. Moi, quand ils m'ont demandé ça, j'étais fou de joie. Vous savez, donc, j'ai écrit des éditoriaux pour le New England Journal of Medicine, moi je n'étais pas considéré. Et là aujourd'hui, je leur ai écrit que ce qu'ils avaient fait pour leur MDCV était une honte, parce que c'était de la publicité déguisée. Et donc on peut pas dire, vous savez, donc moi, vous dites, ah, monsieur Raoult, il n'avait pas fait au début de l'hydroxychloroquine une étude randomisée, on a fait une étude comparative. Les 3 premiers papiers du New England, c'est même pas comparatif. Ils publient les mêmes malades qui vont être, je sais parce que je connaissais les malades français, les mêmes malades qui vont être publiés dans le Lancet, dans le New England et dans un autre journal, sont les mêmes, sont comparés à rien du tout, et ils disent, ça marche. Il y a rien contre quoi c'est comparé. Ces études, on n'ose plus faire des études comme ça. Il y a pas de mesure des charges virales. Il y a rien. C'est de la science d'un niveau qui est effroyable. Et ça, c'est très embêtant, parce que si tous nos repères, moi, tous les repères que j'avais de choses en quoi je croyais, si tous nos repères actuellement disparaissent, ça se traduit, je vais vous dire une chose. En France, ça se traduit par le fait que nos centres des universités ont décidé que
les journaux chinois et indiens ne pourraient plus être comptabilisés dans les épreuves de titre qu'on a en France. Il faudra tenir compte que des journaux européens et américains. Donc, c'est une guerre qui est celle de notre manière de voir contre celle du reste du monde qui se passe. Écoutez, les auditeurs sont assez intelligents. Vous avez entendu M. Didier Raoult. Il y a son livre. Moi, je l'ai trouvé passionnant parce que, comme je le dis, c'est vraiment un parcours hors norme d'une personnalité hors norme. Et les gens vont aller sur Internet, vont lire des textes, vont écouter des reportages qui ont été faits sur vous et vont pouvoir faire chacun la part des choses. Les gens sont assez intelligents. Je n'ai pas à leur dire quoi penser de vous. Donc, ils ont votre côté et ils vont pouvoir lire les gens qui vous contestent et après ça, faire leur propre tête, comme on dit. Vous êtes au Québec, est-ce que vous allez rencontrer les gens? Est-ce que vous signez des livres? Oui, j'ai été invité pour faire une conférence. Et il y aura une signature de mon livre. OK, parfait. Alors, Didier Raoult, autobiographie. Alors, regardez la photo avec un regard de défiance et de confiance en soi, mettons là. Il faut être fort pour faire passer à travers une controverse comme ça et avoir le vent en face. Oui, mais si vous voyez l'histoire de ma famille, je trouve que j'ai pris moins de risques que mes ancêtres. Mes ancêtres ont pris des risques qui sont vous savez, j'ai une petite grand-mère. Pour vous dire, vous savez, au Québec, écoutez bien ce que je dis, je veux pas vous blesser. Mais vous savez, moi, je suis pas du même camp que celui qui a été applaudi au Québec avec une standing ovation, un ancien SS. Mais oui. Je suis pas de ce camp-là, moi. Moi, ma grand-mère, à 60 ans, qui faisait 1m50, qui pesait 40 kilos, était déportée à Ravensbrück parce qu'elle dirigeait le réseau de résistance à Marseille. D'accord. Je fais rien que faire un bémol, c'est au Canada qu'on a fait ça, et pas au Québec. C'est au Canada, c'est pas vraiment la même chose. Alors, merci beaucoup. Vous avez appuyé sur une mine, là. Alors, M. Didier Raoult, autobiographie. Je suis pas de ce côté-là. Merci. Au revoir. Au revoir.